Ami bien Jessie d'ailleurs, bonsoir. Je suis Manou de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et Android. Le direct que vous écoutez s'appelle Les choses de la vie. C'est un espace que nous avons créé sur Facebook et sur YouTube pour parler des mystères de cette vie afin de déchirer le voile de l'ignorance. Toute personne dans l'ignorance ne pourra jamais et jamais vivre la grandeur du bonheur, la grandeur de l'amour de Dieu dans sa vie. Parce que l'ignorance renvoie à la maladie, à la souffrance, et souffrance d'un azimélé, à tout ce qui est négatif, à l'abîme. C'est pour cela que nous avons décidé de déchirer le voile de l'ignorance, ami bien dit d'ailleurs. Je pense que mon dernier direct remonte au lundi, je crois, lundi 2 janvier, quelque chose de ce genre. Ouais, je pense. C'était là le tout dernier direct. Nous sommes le 17, plus de 2 semaines, 15 jours que papa m'a mis. Ah, pas abandonné, n'a pas pu se connecter. Mais pourtant, il est là. Je suis là, bien portant, bien en vie. Le combat est rude, le combat spirituel est très rude. Mais il fallait un moment pour se ressourcer. Voilà. Par miracle, le portable a été retrouvé. Je vous l'avais dit, nous allons retrouver ce portable. Je suis dans un immeuble où je suis au deuxième. Au deuxième étage d'un immeuble. Sur le balcon de l'immeuble, de mon balcon, je suis venu, j'ai retrouvé le portable. Ah, Dieu donc. Pour accomplir son œuvre, Dieu met toujours sur le chemin de toute personne les éléments pour accomplir sa volonté. Une des recettes les plus dangereuses. D'abord, j'avais utilisé la fougère. Et dans le rêve, on m'a dit, beaucoup m'ont soutenu, hein. C'est venu de partout, des amis en Inde, en Asie, en France, ils sont partis pour vivre. Papa Manou, ne t'en fais pas, le portable reviendra de lui-même. Bon, je suis connecté, désormais je suis là. Et du coup, toute l'activité a été paralysée, des scanners qui sont en attente. J'ai près de 85 scanners, prêts, je dois traiter pour mettre. Mais malheureusement, chaque fois que je veux avancer, c'est pas grave. Mais on est là. On tient la barre. On tient. Voilà. Quand les temps sont durs, seul le Dieu avance. Je voudrais, comme bonne nouvelle, annoncer aux amis miens du Bénin, du Togo. Togo doit patienter, je crois, 24 heures. Vous les informer que les produits sont disponibles. Au moment où je vous parle, les produits sont disponibles au Bénin. Et si vous êtes à Dekoumbé, à Krakba, le grand marché de Krakba, Radio Krakba. Non, Radio Tompa, voilà. Voilà. Tout est là-bas. Au Burkina Faso également, le savon tant recherché, tant désiré est déjà en Côte d'Ivoire, chez Ogré, c'est déjà disponible. Chez Maman Marie au Burkina Faso, au pays des hommes intègres, je viendrai là-bas manger des bonnes pétales. Le Gabon, incessamment, avant la fin du mois, disons. En France, déjà, c'est disponible. Le Canada, dans 48 heures. Les États-Unis, il y en a, vous le savez. L'Allemagne traîne encore. L'Italie déjà. Il manque un peu la Belgique. L'Italie chez Mama Sakou. Nous nous battons chaque jour de notre menu du jour. Pour vous satisfaire, amis miens, c'est d'ailleurs, c'est pas aussi évident. Mais Dieu est Dieu. Dieu est très bon. Ce savon, je l'ai eu. Il y a même le charbon dans ce savon, dans l'une des compositions. Le roi des herbes. Beaucoup d'éléments. Alors,
je voudrais partager, si je ne suis pas venu faire un direct, nous allons, vraiment, j'ai pris Dieu nuit et jour de libérer tous les scanners. Parce que dès le 1er mars 2023, qui est considéré comme le premier jour de l'an 2023, pour les initiés, pour les êtres de lumière que vous êtes, j'ai pris la résolution, parce que si je vais à ces rythmes, un jour vous allez comprendre que votre papa et votre fidèle humble serviteur, les forces l'ont lâché. Parce que le travail nécessite une débauche d'énergie incroyable. Je dois me priver de beaucoup de choses. Beaucoup. Beaucoup, je ne vous dis pas, beaucoup de choses. Je dors peu, tout simplement parce que je veux me sacrifier. Je veux me sacrifier, mais je suis un être humain. J'ai mes limites. Et je ne peux pas aussi faire 24 heures sans dormir. Je dois dormir. Donc, tout est emballé au début. Il faut réorganiser les choses. Je pense que dès le 1er mars, je prie Dieu au soir du 28 février de finir vraiment avec tout le monde. Si quelqu'un m'appelle encore pour le scanner, je dis, je ne peux pas. Peut-être même Dieu, il faut donner ton cas. Confie ton cas à Dieu et il faut que je procède à ton remboursement. Je ne voudrais pas qu'un jour on me doise, on me montre le doigt du petit doigt pour dire le monsieur là pour mon argent. Ce n'est pas ce que je vais faire. C'est trop karmique, c'est très lourd. Donc dès le 1er mars, il faut que je m'occupe de moi-même. Le lundi, le mardi, le mercredi, pas d'appel. Je ne reçois aucun appel, sauf mes représentantes et représentants à travers le monde. Eux là, ils font me joindre comme. Et comme aussi c'est des personnes très très civilisées. Je n'ai même pas encore rencontré bon nom, mais c'est comme si nous sommes des âmes jumelles. Nous avons vécu auparavant. Parce qu'il y a une cordialité, il y a une parfaite symbiose entre mes. Je ne sais pas comment. Mes arônes, ouais, ses serviteurs et moi. On se comprend, tout va bien, même d'affaires d'argent, rien. C'est des gens, je ne sais pas, c'est Dieu. Je vous remercie pour votre disponibilité, pour cet accompagnement. Dans le lundi, mardi, mercredi, plus d'appel. Un nom qu'on appelle à 23h30. 5h du matin, on l'a déjà appelé. C'est bien beau, mais je dois me reposer. Il y a un certain temps, il y a un âge pour tout, il y a un temps pour tout. Dans le lundi, mardi, mercredi, je me repose. Ça me permet d'évacuer même les scanners, de travailler, de faire ceci, de faire cela. Vous voyez, donc maintenant le jeudi, vendredi, samedi, voilà, dimanche encore je propose. Donc sur 7 jours, j'ai 4 jours pour moi-même, 3 jours pour vous. Si ton cas est très urgent, passe par ma secrétaire, par ma représentante. Si tu es en France, tu passes par la représentante, là comme ça, parce qu'elle maîtrise au moins mes heures. Elle peut me laisser un audio, je vais écouter. Avec ce rythme-là, même à l'hôpital, on dit à telle heure le docteur n'est pas disponible. Madame, le docteur reçoit de 10h à midi. Il n'y a pas un docteur qui est. On appelle à tout moment. Ça devient le service d'urgence. Ça devient le service d'urgence. Donc, ami bien dit, d'ailleurs, c'est sur ça. Ce sont des changements qui seront très profitables pour vous et pour moi. Vous avez besoin d'un papa, d'un serviteur requinqué. Voilà. Donc, le direct que je fais, c'est un direct de rupture. Pour dire que je suis en vie. Parce que j'ai reçu des appels à travers mes représentants. Mais papa, là, il est là, il est là. Ce n'était pas facile. Le centre aussi à gérer, des personnes qui arrivent des États-Unis, de partout, il faut les recevoir et les réserver, n'est-ce pas, un accueil assez chaleureux. Alors, méfiez-vous des faux comptes. Des faux comptes qui ont été créés avec le nom de Mamie de la Ville. Ce n'est pas moi. Les échanges sur Messenger, ce n'est pas moi. Ce n'est pas Papa Manu de la Ville. Il y en a qui vont vous promettre des bagues, gna gna, et quand vous les menacez, ils vous disent, si tu t'amuses, tu vas me voir dans la nuit. Je vais venir dans ta... Mais vraiment, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain lui-même. Vous voyez, donc méfiez-vous. Les échanges sur Messenger, ce n'est pas moi. Voilà, avant le règlement de tout frais, appelez, faites un appel vidéo. Si c'est Papa Manu, oui, mets la vidéo et vous me reconnectez avec ça. Ce que vous voyez là, l'heure des tigres. Voilà.
Je porte toujours les lunettes. Voilà. Donc, ne vous laissez plus arnaquer n'importe comment. Désabonnez-vous de cette page-là. La vraie page Facebook, c'est celle-ci. Nous avons plus de 4000 abonnés. J'avais la première page toujours avec ces gens-là. Plus de 21 000 abonnés. La page a été piratée pour finir. Elle n'existe plus. Mais les anciennes vidéos, ils sont. Je voudrais partager avec vous deux choses. Ça, ce n'est pas un direct, c'est une causerie. Pour dire papa est en vie. Pour vous parler des merveilles, des miracles de ce savon. De ce savon. Regardez ce qui sort d'une dame. J'ai balancé ça l'autre jour. Oh, c'est pas bien vu. Voilà, vous voyez. Voilà, ça bouge, hein, ça bouge. Regardez comment ça bouge. Bon, je vais peut-être reprendre. Ouais. Là, je vais aller un peu plus vite. Voilà, c'est ça. Vous voyez? Vous voyez comment la bête bouge? Voilà, vous voyez? Voilà, ça bouge. Ça bouge. Genre, c'est un reptile. Voilà. Voilà. On va encore regarder pour une dernière fois. Voilà ça. Voilà la position initiale. Aïe, aïe, aïe. Un portable aussi. Bon, voilà. Je vais cliquer là pour faire bouger la vidéo. Voilà. Vous voyez la bête comme elle bouge. Voilà. Voilà, ça bouge. Ça bouge. Vous voyez. Ah, là comme ça c'est bon. Voilà. Voilà, voilà maintenant. Bien immortalisé. Pareille situation, qu'est-ce qu'il faut? Le sel. Vous avez le sel gros grain, le sel de cuisine. Voilà. Vous devez soupourer sur ça. Mais là, c'est sorti sous forme. Elle était en train de se laver, je crois qu'elle est au deuxième jour de son bain, avec le savon qui est là. Et elle a ressenti quelque chose au niveau, elle avait ce problème de plus. Au niveau de son sexe, c'est comme s'il y avait quelque chose qui montait, qui descendait, qui montait, qui descendait. Ça lui faisait mal à des moments. Donc quand la chose est sortie de son sexe, c'est sorti comme une forme de boule. Donc c'était vraiment enroulé. Mais elle s'est dit, bon bref, peut-être que c'est une boule de sang, mais au fur et à mesure, elle constate maintenant que ces gens comme un reptile. Mais comment tu fais ça pour vivre dans le corps de quelqu'un si c'est pas mystérieux? Ah, tu es nous en même temps? Parce que quand je mets ça dans le corps de quelqu'un, il faut finir avec lui en même temps. Eh Dieu! Ouais! On ne sait plus quoi faire. Ami, mien d'ici, voilà, c'est ça. L'autre m'a appelé de Martinique pour me dire depuis qu'elle utilise le savon, tous ses amis l'ont fui. Donc quand elle arrive quelque part, les gens, je ne sais pas. Mais heureusement. Bon, le savon est composé de trois éléments. Il faut que je précise. Trois éléments. Il y a le savon, il y a la poudre que j'appelle d'olive, qu'on utilise avec l'huile d'olive, en tout cas les représentants et les représentantes Périne. Eh Périne, NSI Périne. Bonne année, mais vous ne m'avez même pas souhaité bonne année. Anniversaire, rien. Périne, je te vois, hein. Je te vois. Baraki, ça connaît qu'on était. Bon, voilà. Donc, ami bien d'ici d'ailleurs, Dieu fait grâce. C'était juste pour vous dire que je suis en vie. Chaque fois que vous avez, vous soupçonnez une maladie qui est suspecte, je vous en prie, les feuilles de laurier. Laurier, les feuilles de laurier. Mais en Afrique, on a comme impression qu'il n'y a pas les vraies feuilles de laurier. Parce que sur le marché, il y a une feuille là. Oh, ça ressemble beaucoup aux feuilles de laurier, mais ce n'est pas ça. Cherchez les feuilles de laurier. Chaque fois que vous suspectez déjà que... Je m'en vais à l'hôpital, on fait examen, on voit rien. On fait ceci, on voit rien. Première des choses,
les feuilles de laurier. C'est l'histoire d'un couple qui est au Canada. Vraiment. Mais c'est vrai que cette mesure-là, ça va peut-être pénaliser, mais je suis obligé de faire comme ça. Au Canada, son mari, en dormant, ils ont bien de l'eau. L'homme et la femme, ils ont bien de l'eau. Donc, monsieur s'est levé, il a d'abord fait un mauvais rêve. Il se lève, les pieds sont enflés. Le corps, on dirait qu'on l'a pompé. La première personne qu'on appelle papa, maman. J'ai même eu de la peine à décrocher. Comme en plus elle est élue, elle est dans le groupe des élus, j'ai dit ça c'est des avantages du groupe des élus. Donc peut-être aussi les élus ont cette exclusivité, voilà. Parce qu'il faut marquer la différence. Tu es élu, votre abonnement court jusqu'en fin d'année. Jusqu'en fin d'année l'abonnement court. Nous sommes toujours en 2022, donc ça continue. Voilà, ça continue. Maintenant, le 31 décembre, là, je vais dire tous les abonnés du groupe, là. Le groupe est maintenant, voilà, les élus, là, on reprend le nom. Pratiquement, ça fait un an et demi. Si dans ça, tu n'as pas eu ta part, vraiment, je ne sais plus où tu vas avoir ta part. Déjà que le livret, les conseils que nous donnons par rapport à votre groupe sanguin, ça a aidé incroyablement. Il y en a même qui, il y avait une dame, les boutons sur le visage, partout, parce qu'elle se... Elle se nourrissait mal, le lait. Le lait là, cette histoire là, vraiment, quand on voit qu'elle, on dirait que l'homme est le seul mammifère que après avoir tété son enfant, son bébé, il a grandi, vieilli, il continue de boire le lait. La chienne, quand elle a fini de donner le lait aux chiots là, quand les chiots deviennent grands là, ils n'ont plus besoin du lait. Comment se fait-il que c'est nous? Jusqu'à on dit non, le calcium, on le coupe dans les épinards. On vient toujours nous mamailler. Nos parents, est-ce qu'ils avaient besoin de lait? Mais regarde un enfant du village avec un enfant de la ville. L'enfant du village, il se lève le matin, c'est le macabo d'hier qu'il a mangé là. On réchauffe ça. Quand il parle, quand il est quinqué, il a contact avec la divine nature. Maintenant, les enfants disent, maintenant on met. Et on tourne et l'enfant voit. On dit non. C'est business. C'est pas pour ça que nous faisons. Donc le monsieur s'est levé, la femme pleure, elle pleure. Voilà mon mari mourant. Il devient inerte. Elle m'appelle, je dis ouais, je n'ai même pas le temps pour faire le scanner. C'est ce qu'on appelle les urgences. Urgence médicale. Il y a un numéro vert, elle là. Disponible en cas de ceci appelé. J'ai dit, ma fille, tu as le mien à la maison, elle me dit oui. Ma fille, est-ce que tu as l'ail, elle me dit oui. Ma fille, est-ce que tu as les feux de laurier, elle me dit oui. Bon, j'ai dit à cet instant, donne-moi quelques secondes. Hein? Je prends le téléphone, je me mets en méditation. L'esprit me révèle, dis-lui de se laver avec les feux de laurier. À l'instant, je reprends. Je dis à ton mari qu'il rapidement une décoction, feux de laurier, il doit se laver avec. T'as compris? Oui, papa. Net, c'est comme si, après le bain, c'est comme si, je ne sais pas, le bain a absorbé. Puisque là, c'est une attaque mystique. Le corps est redevenu normal. Et c'est depuis ce jour que monsieur croit véritablement que Manu de la ville, quand sa femme me dit, viens, on va regarder les coups de Manu, il parle quoi? Là, il a pas changé quoi dans la vie de l'homme. C'est depuis ce jour qu'il croit que effectivement Dieu a tout créé. Et que tu revois Dieu, là, c'est dans sa divine nature. Nous disons merci. C'est une vie que nous sauvons. Gloire à Dieu. Voilà. Et je lui ai demandé encore de faire le mélange et tout. Maintenant, il est propre. Et il aspire. Il veut vraiment faire son scanner. Mais pas pour le moment. Ça sera au début du mois de mars. Il faut que je libère. J'en ai pour. Je voudrais également remercier. Vraiment, je ne sais pas si c'est un coup de chapeau. Qu'est-ce que je vous porte dans mes prières? Votre patience. Vraiment. Votre patience. Ça me touche énormément.
Si je pouvais, à l'aide d'une baguette magique, résoudre le problème de chacun, c'est-à-dire toi, ton problème, bam, c'est résolu, deuxième, bam, je l'aurais déjà fait. Même après avoir résolu tout ça à Dieu, j'ai dit même à Dieu, pardon, tu peux me prendre. Je serai très content. Mais je suis un humain comme vous, avec tellement de problèmes, les problèmes. Toutes ces semaines-là, c'est grave. Le Burkina demande le savon, le Burkina demande l'encens, le Burkina veut l'encens qui chasse toute négativité, le Burkina veut ceci. Il faut préparer le kit, parce que tout cela nous suit. Il faut servir le Burkina. Actuellement, même la douane au manqué. Quelque chose de 1 kilo qui coûtait, disons, 1000 francs, aujourd'hui on te dit que c'est 5000 francs. Apprendre ou à laisser, tu as fait quoi? Au même moment, si tu touches un peu, tu augmentes, ça va jouer. Depuis cette histoire de Covid-là, aux États-Unis, un poulet qui coûtait $3, maintenant c'est à $9. Apprendre ou à laisser. Voilà comment ils nous gèrent. Voilà comment le monde là nous gère. Ils mettent toujours quelque chose devant pour justifier toutes les inflations, tout ce qu'ils vont faire derrière. Maintenant, leur discours, c'est ça. La guerre en Ukraine, la guerre, c'est film. Mais comment se fait-il qu'une guerre qui va commencer en 2022, comment on appelle ça, les dessins, les Simpsons, ils prédisent. Ils font même des films, ils disent qu'il y aura une guerre. 15 ans avant, il y a des films. Ukraine, Russie, la Russie va attaquer l'Ukraine. 15 ans avant, ça on savait 15 ans avant. Mais vous ne comprenez pas que le monde est programmé. C'est programmé. Mais ils paieront. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, voilà, une fois de plus, merci pour votre patience. C'est des patiences légendaires. Je n'ai plus de mots à dire. Mais l'année 2023 s'annonce difficile économiquement parlant. Et je ne peux pas aussi accepter, avec toutes les nombreuses recettes qui attirent le jeton, je ne peux pas rester indifférent. Il faudrait que les princes, comme vous, les rois et les reines, que ce soit vous qui marchez, n'est-ce pas, sur les chevaux. Ce n'est pas normal. Si tu crois que tu sais un Dieu, Dieu là c'est l'argent, Dieu là c'est voiture, Dieu là c'est tout, c'est la santé. Mais tu ne peux pas rester prier et ta vie ne change pas, ce n'est pas normal. Ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Donc, amis miens d'ici d'ailleurs, préparez-vous. Je voudrais saluer cette soeur qui m'a envoyé, elle m'a envoyé ses $40 ou $400, elle n'a même pas compris. Tellement je compte, ça ne venait pas. À $1. Non, cette fille-là, vraiment, cet enfant-là, que Dieu retourne les 400 ou ces $400 ou ces $40 ou ces combien de dollars, en biais d'un dollar. Elle me dit, papa, je suis venu de tes directs. Je suis aux États-Unis. Mais depuis que j'ai pris dollar, j'ai mis. Et tu m'as dit de faire tel mantra, de lire tel mantra. L'argent ne m'a plus manqué. Elle m'envoie une chemise serve. Et dans cette chemise, elle a mis une enveloppe où il y a les dollars. Ne quittez pas. Voilà, quand je parle, je falsifie, je donne les Voilà, regardez-vous-moi. $1. Je n'ai que j'ai envoyé la main, c'est ce que j'ai pris là. C'est ça. Voilà ce qu'elle m'a envoyé. Elle m'a dit, papa, ça c'est pour toi. $1. Donc, demain,
Si Dieu le veut, je vais vous dire tout ce qui est sur le dollar là, tout, voilà ça. Je vais vous expliquer tout. C'est la monnaie de cette humanité. Euro peut venir, un euro peut valoir 1000 dollars. Mais quand on parle des échanges internationaux là, sans ça là, et de tous les biens de dollars, le dollar, le bien de dollar qui est rempli de mystère, c'est celui-ci. Donc demain, ma fille, merci. Mais Accra, beaucoup seront riches. Leur vie financière va changer. Je ne sais pas quelle était ton intention. Tout, les pyramides, l'œil de tout. Voilà, elle m'a donné. Voilà le bien de dollar. Plein. Voilà, c'est ça. Non. Merci, ma grande. J'ai eu mon premier billet, je l'avais, ça fait près de 21 ans. C'est comme si ça avait, hein? L'autre jour, le billet s'est déchiré seul. Ce billet-là, qui s'est déplié jusqu'à ce pas bon. Et quand il a été, j'ai consacré, j'ai mis encore le deuxième, c'est le billet d'un dollar. Tu es aux États-Unis, tu n'as pas un billet d'un dollar dans ton porte-monnaie. Je doute de ta réussite financière dans ce pays. On dit l'oncle Sam. Que chacun cherche son pied d'un dollar. Je vais vous dire tout ce qui est là. Hein, in a gold, ils ont même écrit quoi? In a gold with gold. Vous ne comprenez pas? Les gens ont créé leur monnaie, dit qu'en Dieu nous croyons. Quel Dieu? Voilà, in gold we trust. Voilà, c'est écrit là. On veut voir. Oh. Et le monde ici, in God we trust. En Dieu nous croyons. Quel Dieu? Demain, là, demain on va faire direct sur ça. Alors, je ne sais pas comment je vais faire, mais il faut que j'envoie ça au moins à tous mes représentants. Au gré doit avoir un. Maman Marie a un. Au Burkina Faso. Elsa, à Libreville, un. Maintenant, quand je rentre, Burkina Faso. Ah, Christine et Christiane au Togo, un. Nikou au Bénin, un. Eric au Tchad, un. Vedette, la représentante de Yaoundé, il y a bien une représentante à Yaoundé. D'ici samedi, elle aura tous les produits. Elle aussi, elle doit avoir un. Bon, papa m'a mis sa part derrière là. En France, Clara a un. Cassandra, un. Quand je monte tous les cas en Allemagne, un. En Italie, un. Pour Satou de Koumbé. Maintenant, un pour Mimi de Belgique. Un pour Jenny en Suisse. Un pour Maman Sylvie aux États-Unis. Et un pour Maman Joanie au Canada. Un pour Maman Alette en Angleterre. Je crois que j'ai tout dit, non? Je n'ai oublié personne. Ouais, je n'ai oublié personne. Voilà. Maintenant, ça fait combien de billets? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. 16 représentants à travers le monde. Que Dieu vous bénisse. Donc voilà, vous, les 16 billets là, je mets ça à côté. Voilà, 16 billets. L'année prochaine, à la même heure, vous me direz si l'argent a changé ou ça n'a pas changé. Maintenant, le reste ici, bon, je ne sais pas, hein. Je ne sais pas. Voilà. Une bonne because. Amis bien d'ici d'ailleurs, que Dieu nous aide. Le 28 février, nous allons parler de comment nous pouvons entrer dans la nouvelle année. Demain, on va faire le direct sur le billet d'un dollar et ses mystères. Ce qu'on ne vous a jamais dit dans ce billet d'un dollar. Et maintenant, pour le mettre dans votre porte-monnaie, qu'est-ce qu'on doit dire? Une grande cross. Voilà Washington. Oui? Oh, oui? Non, le monde ici. C'est la bien de l'humanité ici. Que l'argent, on peut travailler, faire, on peut fabriquer l'euro, double euro, 100 euros. Un euro vaut, mais quand on dit l'homme est milliardaire, c'est à partir de dollars, 100 dollars.
Si on dit tu es milliardaire, c'est en France, c'est pas là. Ton argent ne vaut rien. C'est comme ça, c'est rien, c'est le papier simple. Même en euros, en dollars, c'est la monnaie de cette humanité. Tu transactions internationales, oui, ça fait 25 000 dollars, 200 000 dollars, 70 000 dollars. Même dans les films, c'est dollars, on parle. Voilà, c'est ça. Et parmi les pieds, 1 dollar, 100 dollars, 50 dollars, 10 dollars, voici le pied le plus mystérieux. Demain, je ferai le direct in God, in cross. C'était Dieu, le Dieu de Manu de la vie, le Dieu de Guy Chelou, le Dieu de Regina Blay, de Barika Sakone, on ne sait jamais. Ils ont dit seulement in God, in cross. Le mystère. Mais vous croyez que la vie là est comme ça? Non, tu montes ton macabre au quartier là, tu crois que... Non, tu ne sais pas qu'il y a de quoi. Tout est mythe. On a tout fermé. Nous avons le lait, on va vous donner. Ça n'a jamais changé. Hein? L'homme, c'est la photo de l'homme, c'est comme elle. Ça n'a jamais changé. Jamais. Un dollar. Sur ce, je vais vous laisser à mes mains d'ici d'ailleurs. Donc demain, nous allons tout vous expliquer. Tout. Tout ce qui a été écrit là. Tout. Tous les initiés le savent. Le pied d'un dollar. Parce que 2023, ça sera chaud. Faut quand ton voisin pleure, il crie là. Toi, moi, tu as au moins l'argent pour acheter le pain ou alors rationner. Pour porte de la maison là, c'est garanti. On pleure, toi tu ne pleures pas. Parce qu'ils ont mis dedans. Ils ont mis pour les initiés. Nous aussi, on est initiés, on voit clair. On va utiliser. Qui est fou. Voilà. In God we cross. Oh, vraiment. Oh, c'est le mystère. On va faire comment? On va faire comment? Voilà. Que Dieu vous bénisse. Demain, un peu plus tôt, je serai connecté. Pour 20 minutes. Voilà. Et Dieu. Ouais. Voilà, ce soir j'ai au moins 96 canaux, ce soir je vais me battre. Et plus je m'assois, la congose veineuse, je suis encore repris. Je fais le sport, je fais, mais je ressens. Je vais faire comment? Non, on n'a pas besoin de ça. Les gens veulent le scanner. C'est votre voix, le plus absolu. Même là, c'est parce que vraiment vous avez pitié de moi. Ah, si c'était quelqu'un de là, non, ce que vous avez à cracher sur lui. Et ce qui est normal. Vraiment, merci pour tout, merci. Il y en a même qui veulent ouvrir la bouche, Dieu dit, ferme ta bouche, tu ne sais pas la souffrance de l'homme là. Pardon, laisse. Il n'est pas malhonnête. Calme-toi, et sérieusement, calme-toi. Décide, et sérieusement. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous inonde de toutes ses faveurs demain. Voilà, à la même à 20h, 20 minutes, je serai en direct et ça sera comme ça jusqu'à. Sur ce, je vais vous laisser. C'est la fatigue de l'homme. Je vais vous laisser, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour toutes vos prières. Merci pour tout. Et que rien ne prouve jamais votre paix intérieure. Jamais. C'était Manu de la vie, votre fidèle humble serviteur de l'évangile des temps modernes et anglais. Mon frère Christian est connecté. Oh, c'est un monsieur assidu. Il a. Je ne parle pas, on ne fait pas commentaire. Or, oh, s'il était, on est voir. Rendez-vous après. Voilà, je vais.